Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yasuo. Bon, nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui. Attention, c'est tous surtout s'abonner. Cliquez là sur abonnez-vous pour ne pas manquer tout simplement la prochaine vidéo. Waouh, que se passe-t-il ici, Yasuo? Bon, jetons un coup d'œil avant de retourner encore dans une nouvelle épisode de Essaie de ne pas avoir peur. Elle a 11 ans et a vu Michael Jackson à l'enfer. C'est une vidéo que vous pouvez regarder. Waouh, surtout n'ayez pas peur. La vidéo. Nous pouvons tout simplement voir des choses bizarres, regardez. On nous parle de l'enfer. Ce sont des vidéos que nous venons de poster, si on se demande. Des vidéos que vous pouvez également regarder, ainsi que toutes ces vidéos qui se trouvent là. Waouh, ça va sans doute vous intéresser, même cette vidéo. La vidéo que nous avons traitée hier, c'est celle-là, Et celle de ne pas avoir peur, message caché et rituel. Bon. Tout ça, c'est la troisième partie. Vous pouvez regarder cette vidéo. Voilà, vous pouvez regarder cette vidéo pour découvrir ce que nous avons traité hier, vraiment des choses vraiment bizarres. Je vous invite à regarder la vidéo et vous en saurez plus et à la liker si vous l'aimez. Alors ce soir nous repartons pour une autre vidéo encore qui va sans doute nous intéresser ou nous toucher. Alors, si automatiquement, c'est parti. Il se montre comme appartenant au monde occulte. Ok, vous voyez, c'est intéressant. Si vous avez aimé, abonnez-vous également sur YansKebon 2. Regardez, abonnez-vous ici et regardez la vidéo qui sont là. Alors, sans plus tarder, lançons-nous dans l'ouverture des images bizarres ce soir. Je dirais même bizarre, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du diable. Parce que pour chasser un démon, il faut prendre autorité sur lui. Faut pas avoir peur d'un démon. Après ça, il y aura encore une autre vidéo, une vidéo dans cette vidéo, et vous saurez beaucoup de choses. Mais déjà, regardez l'écran. Que voyez-vous? 666. Où est le message caché? Où se trouve 666, s'il vous plaît? Regardez bien. Vous ne voyez toujours pas? Ici, ce que tu as vu. 666, regardez là, 6, attention, 6, 6 ici, en bas, et 6 ici. Ça fait 666, la marque de la bête. Waouh, waouh, est-ce que ça fait peur? Bon, ça peut peut-être faire peur à quelqu'un, si ça t'a fait peur. N'aie pas peur. Regarde ça, regardez-moi ça. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est carrément une créature du monde des ténèbres qui se trouve là devant nous. Ce qui est étrange, c'est que ça, c'est comme un crâne humain vivant qui crie. C'est la même chose qui se trouve sur son dos. Mais qu'est-ce que c'est que cette créature? Je vous rappelle que cette créature est bien réelle. Et elle existe. Waouh. Mais qu'est-ce que c'est? Waouh. C'est qui ça? C'est un clown. Un clown. Waouh. Il est laid. Est-ce qu'il vous a fait peur? Essayez de ne pas avoir peur, les frères et sœurs. En plus, il a des dents jaunes. Regardez. Waouh. Et une belle fille à côté. Mais il y a un message caché dans cette image. Où se trouve le message caché? Regardez bien. Il y a un symbole occulte qui est bien dessiné là. Il se trouve quelque part dans cette image. Je vous laisse 5 secondes, 5, je compte jusqu'à 5, pour vous laisser le temps de trouver. Et si je confirme votre réponse, vous laissez un like pour nous faire savoir que vous avez trouvé. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5, c'est fini. Regardez là, regardez la fille, la belle fille qui se trouve là-bas. C'est sur elle que se trouve le problème. Regardez, regardez.
ce qui, comment on appelle, sa boucle d'oreille. Sa boucle d'oreille est carrément un pentacle. Regardez, ça forme deux triangles. C'est un symbole occulte, mes frères et sœurs. Oui, que nous devons faire très attention à tout ce que nous regardons. Dès que vous voyez des symboles occultes comme ça, c'est sûr qu'il y a présence d'un démon. Ce n'est pas un hasard qu'on voit un truc, une créature qui fait, qui est censée faire peur comme ça, comme un clown. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez là. Pourquoi nous vous disions que c'est un symbole satanique? Mais regardez vous-même. Ce même symbole est représenté ici, clairement même pour vous permettre de voir et pour confirmer tout ce dont nous sommes en train de vous raconter ce soir. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Waouh! Et ici, il y a une courroie renversée. Une courroie renversée, mes frères et sœurs. Vous savez que le diable, il aime renverser l'ordre établi. Voyez-vous? Une courroie renversée. Si le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons toujours, de qui nous parlons, Seigneur, se reborn, s'il n'était pas important, les gens du monde des ténèbres n'auraient pas fait ça. Une courroie. Qui a été crucifié? C'est le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde fait ça, mais c'est encore une autre marque, un autre signe, le signe du diable. Mais il y a un chiffre ici, dans cette image. Il y a un chiffre. Où se trouve ce chiffre et quel est ce chiffre? Je vous donne 5 secondes. 5. Je compte jusqu'à 5, espérons que vous allez trouver. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. 1. 2, 3, 4. Trouve le message caché. Waouh! En même temps, essaie de ne pas avoir peur. Regardez là. 6. 6. Et 6. Ça fait combien? 666. Mes frères et sœurs. C'est grave. Ce sont des symboles sataniques qui sont là. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous en avons parlé hier dans la vidéo que je vous ai montrée précédemment. On vous a dit que c'est la marque, The Beast. Mais regardez, c'est clair. Regardez son œil qu'elle a. C'est écrit Beast. Ça, c'est caché, bien caché. J'aurais dû vous poser la question pour vous dire qu'est-ce qui est caché ici. En fait, dans tout ce qu'ils font, ils ajoutent des messages cachés. C'est ça un message subliminal. C'est bien caché. De ce que tu ne pouvais pas voir, mais ça veut dire beast. Quand on dit beast, ça veut dire qu'il y a le beast, veut dire quoi? La bête. Ok? C'est beast, c'est en anglais. Ça veut dire bête en français. Donc, vous devez comprendre qu'ici, ça représente Satan. C'est une marque qui appartient au diable ou qui représente le diable lui-même. Encore, 666. Regardez. Waouh! Waouh! Encore le même signe ici. 6, 6, 6. Trouve le message caché. Waouh. C'est incroyable. Regardez ça. Encore 6. Encore 6. Encore 6. Mes frères et sœurs, où est-ce qu'on a vu pour la première fois ce chiffre-là? 666. Où? C'est dans la Bible, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et pourquoi les gens font même type de corne? Ce sont des gens qui ont été trompés par Satan, qui font ça. Satan, c'est le mauvais. Il nous fait croire qu'il est le bon. Il nous fait croire qu'il a le pouvoir, il a ceci, mais c'est le mauvais. Encore 666 qui apparaît ici. En plein écran, mes frères et sœurs. Trouvez le message caché. Le message caché, c'est le 666. Ce signe est en rapport avec quoi? Le diable et l'enfer. Puisque c'est une marque, c'est cette marque-là qui sera apposée sur qui? Le front des hommes, de tous ceux qui iront à l'enfer, mes frères et sœurs. C'est grave. Regardez vous-même. Qui c'est?
Qui est-ce? Nicki Minaj. Mais où est le message caché ici? Où est le message caché? Waouh! Trouvez le message caché. Trouvez. Ou encore le message caché. Regardez ici. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez, regardez, regardez ici. Regardez là. Regardez partout. Où c'est? C'est bien évidemment ici. Est-ce que ce sont habit de la manette sélective qu'on conçu? Non, ça m'étonnerait. On voit clairement ici un œil. Un œil. Et cet œil est beaucoup utilisé par des satanistes, des occultistes. Est-ce qu'elle peut nous dire qu'est-ce que cet œil a fait là? Mes frères et sœurs, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce que cet œil a fait sur son vêtement? Parce que comme vous le savez, déjà, comme je vous ai dit, que quand vous regardez un truc à la télévision, que faites attention à toutes ces choses, parce que ces choses ne sont pas là au hasard. Ce sont des messages cachés. Regardez, un sorcier ne va jamais venir vous dire qu'il est sorcier. Une sorcière ne va jamais venir vous dire qu'elle est sorcière. Mais vous découvrirez qu'elle est sorcière dans quoi? Dans ses œuvres. Même la parole de Dieu nous dit quoi? Qu'on reconnaîtra les faux prophètes, les faux hommes de Dieu dans les œuvres. Regardez vous-même. Qu'est-ce que ça fout là? Ça annonce de mauvaises choses sur l'identité de cette fille. Mais nous en parlerons encore plus tard. Encore elle? Le Grammy Error. Grammy Error. Et on la voit ici avec un prêtre catholique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on entend beaucoup de choses relativement aux prêtres catholiques. On nous parle de pédophilie, de toutes ces choses qui ont été cachées, qui sont en train de sortir. Comme s'il y avait un lien entre les prêtres catholiques et le monde occulte, le monde de Satan. Ce sont des choses à découvrir. Le Seigneur va certainement nous permettre de découvrir tout ce qui est caché derrière cette histoire-là, pour découvrir enfin la vérité. Qui est-ce? Je ne sais pas qui est cette femme. Je ne sais pas qui est cette femme. Y a-t-il un message caché ici? Y a-t-il un message caché? Ou un symbole bizarre? Cherchons ensemble. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous rappelle que les tatouages, mes frères et sœurs, c'est la gravité. Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps. C'est dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Waouh! Qui est cette jeune femme? Si vous ne connaissez pas cette femme, c'est que vous n'existez pas. C'est que vous n'êtes pas de ce monde. C'est qui? Si tu connais l'identité de cette femme, écris son nom juste en bas et je saurai que tu as suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau. Waouh! C'est une belle femme. C'est une miss. Waouh! Est-ce qu'elle fait peur? Ça m'étonnerait. Est-ce que cette miss-là vous fait peur? Est-ce qu'elle vous fait peur? Waouh! Ça m'étonnerait, hein? C'est une miss, mes frères et sœurs. Une miss. Y a-t-il un message caché ici? Trouvez le message qui est caché. Trouvez le message. Ah! Waouh! Encore, c'est joli! Franchement, cette fille, elle s'appelle. Vous voulez que je vous dise son nom? Elle est très belle. Vraiment très belle. C'est une belle créature de Dieu. Est-ce qu'elle a Jésus-Christ dans sa vie? On va lui poser cette question dans une future vidéo. Nous allons même entrer en contact avec elle et elle nous dira si elle connaît Jésus-Christ. Mais quand on regarde son image, y a-t-il un message caché ici? Avez-vous trouvé un message caché? Bon, peut-être ce message existe et que tu as trouvé, dis-le nous dans la partie commentaire. Une jolie miss, waouh, elle est belle. Pourquoi les miss sont vraiment belles? C'est la raison pour laquelle elles sont élues miss. Mais toutes ces choses
Vous savez que la parole de Dieu nous dit que la beauté est éphémère. Hein? Si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, ça ne te sert à rien. Mes frères et sœurs, je préfère que les gens aient Jésus-Christ dans la vie afin de participer à ce genre de missions. Encore une belle femme ici. Regardez. Waouh. Elle nous sourit. Elle vous sourit, mes frères et sœurs. Elle vous sourit. Elle nous sourit à nous tous. Salut! C'est qui? Comment t'appelles? Waouh. Qui est-ce? Waouh. C'est tout simplement Optimus Prime. Qui est Optimus Prime? Et quel est son rôle? C'est un personnage du film qu'on appelle Transformers. Et ce personnage-là joue un rôle très important. Et quand vous regardez le film Transformers, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, les films qui font de Transformers, ces histoires qu'ils racontent, montrent ce qui va arriver. En fait, il se base sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et les Transformers que vous voyez là représentent quelque chose. C'est un lien. GTA 5. Est-ce qu'il y a un message caché ici? Non. Oui. Avez-vous trouvé quelque chose? Réagissez. 5. V. Qu'est-ce que ça signifie? J'attends votre réponse. Waouh! C'est qui? Qui est cette femme? Où se trouve le message caché dans cette photo? Où se trouve le message caché, mes frères et sœurs? Où se trouve le message caché? Vous voulez que je vous montre? J'ai vu quelque chose. Regardez. Comptons jusqu'à... À combien? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est parti. Regardez sur le portable. Regardez ça. Regardez ce symbole qui est ici. Mais à quoi ça correspond? Qu'est-ce que c'est au juste? Regardez. Qu'est-ce que ça signifie? Dites-moi ce que ça signifie. On appelle iFruit. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est à revoir. Dans la prochaine vidéo, je vous dirai, donnerai la réponse. Encore, je vous dirai qu'est-ce qui est caché dans ce message. Waouh! Encore ici, GTA. Là, ils sont armés et ils vont en guerre. C'est un jeu, hein? C'est un jeu. C'est un jeu. Nous avons créé une deuxième chaîne Nuance Gaming où nous jouons à ce jeu et nous partons à la recherche des symboles occultes. Vous pouvez aller sur YouTube et chercher Nuance Gaming et regarder les vidéos que nous avons faites. Abonnez-vous également là-bas et suivez-nous tout simplement. Regardez là. Wonder Woman. Elle est belle, la fille. Absolument. Qui va dire qu'elle n'est pas belle? Elle est jolie. Mais y a-t-il un message caché ici? Pourquoi ce tout se touche sur son front? Juste là. Ce sont des choses à voir par la suite. Regardez. C'est encore elle. Hein? Wonder Woman. Wow. Encore elle. Wonder Woman. C'est une belle femme. Elle aussi, elle a participé à un concours de Miss. Et elle a remporté ce concours. C'est évident. Elle est trop belle. Mais sur ici, est-ce qu'on peut voir des messages cachés? Voyez-vous des messages cachés? Si vous avez trouvé, faites toutes nous ce que vous avez trouvé. Encore elle. Waouh. C'est une position qu'elle a appréciée dans le film. Waouh. Wonder Woman. Ok. Combat. Elle est prête pour le combat. Waouh. Vous voyez comment elle est armée? C'est de la même façon, le chrétien doit être armé. Mes frères et sœurs, il faut la parole de Dieu dans Ephésiens 6, verset 11. On nous parle du bouclier de la foi.
mes frères et sœurs. L'épée, c'est quoi? La parole de Dieu, non? La parole de Dieu. Il faut avoir l'épée, bouclier de la foi. L'épée. Il faut être armé. Il faut avoir la cuirasse. Nous sommes en guerre. Et les armes que nous avons ne sont pas charnelles. Les armes charnelles dont la parole de Dieu nous parle, c'est ça. L'épée qu'elle a dans la main, puisque c'est la chair qui tient cette épée, et ce bouclier. Mais en esprit, vous devez être armé, puisque ce qu'elle a dans la main, parce que c'est ce que nous devons avoir, mes frères et sœurs, pour combattre qui? Le diable et ses démons, et tout son armé. Waouh! Encore elle, Wonder Woman. Alors là, ses équipes de pouvoir se donnent tous les moyens pour avoir des pouvoirs super, hyper puissantes. Mais le vrai pouvoir est ici. Voici ce que nous sommes en train de parler. Qui est là? Ou qui est censé être ici? Qui est censé être ici? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est censé être là, sur ce cheval, descendant sur terre avec qui? Son armée. Mais il y a un message caché. Il y a un message caché ici. Dans cette image, il y a vraiment, vraiment un message caché. Où est le message? Waouh! Si tu as trouvé, je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Avez-vous trouvé le message caché? Regardez là. Qui est-ce? Qui est-ce? Cet homme qui est là, c'est qui? Qui est-ce? Qui est-ce? C'est bizarre. On a l'impression que cet homme est arrêté sur le soleil. Mais qui est-ce au juste? C'est caché. Assurément, ça signifie quelque chose. C'est ça un message caché. Un message caché a un sens, a une explication. Ça signifie tout simplement quelque chose, mes frères et sœurs. Quelque chose. Regardez là. Encore toujours dans la même histoire. Toujours dans la même histoire. Là, on voit le Seigneur Jésus-Christ, une représentation du Seigneur Jésus-Christ qui descend sur la terre. En ce moment, la terre est en guerre. Regardez, il y a une guerre ici. Une guerre. Le monde est détruit. Regardez, ça c'est l'Apocalypse qui est là-même. La venue du Saint Jésus-Christ. Ah, ça va être chaud, hein? Waouh! Cette femme, waouh! Mais qui est cette femme? Cette femme se trouve dans l'Apocalypse. C'est la femme dont parle l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Nous avons étudié le livre de l'Apocalypse dans son intégralité. Vous pouvez regarder tout simplement ces vidéos. Et vous pouvez voir la playlist. Il y a une playlist qui s'appelle les signes de la fin du monde. Ok? Ou les signes de l'Apocalypse, vous allez chercher. Et vous verrez tout ce qu'on a fait sur cette femme. Et ça, c'est une femme qu'on appelle la prostituée. C'est une grande prostituée. Elle représente une ville. Et ça, ce sont des rois qui sont là, qui représentent les têtes. Allez jeter un coup d'œil et vous en saurez plus. C'est encore la même femme qui est là. Vous voyez que la prostitution, c'est un démon, c'est un esprit. C'est un esprit qui est derrière la prostitution. Et c'est cette femme-là même qui est à la base de tous ces problèmes. Waouh! Qui est-ce? On a l'impression que c'est un revenant. Est-ce que vous avez eu peur? Waouh! Mais c'est qui? Un revenant. Ça se trouvait dans un clip. Et nous avons eu le clip. Nous avons tiré cette image tout simplement de ce clip. Waouh! C'est carrément un cadavre, ou dois-je dire un démon. Waouh! Regardez, et on voit quelqu'un qui est dans le cimetière, qui était en train de faire quoi? On a l'impression que la personne est sortie d'une tombe, ou est en train d'enterrer quelque chose. C'est étrange. Et c'est cette créature-là qui veut de sortir comme ça. C'est bizarre! Dans un cimetière, et ça se trouve où? Dans un clip, il faut nous poser des questions. Pourquoi ont-ils fait cela? C'est ça le message caché.
Waouh, une sirène. Une sirène encore. Aujourd'hui, une sirène ici. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est qu'une sirène, c'est un démon qui vit dans l'eau. C'est un démon qui vit dans le monde de l'eau. Regardez. Waouh. Mais vous allez comprendre tout de suite. Où est le message caché? Le message caché est là devant vous. Est là devant vous. Est là devant nous. Est là devant nous tous. Où est le message caché? Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Le message caché est là. Un œil. Regardez. L'œil qui se trouvait sur le vêtement de Nicki Minaj est ici. Pourquoi utilise cet œil? C'est parce que c'est une signification. Mes frères et sœurs, c'est une signification. Ça montre leur appartenance à Satan, leur appartenance au monde des ténèbres. C'est ça cet œil. C'est ça. Il appelle l'œil qui voit tout. Et les éclairs représentent quoi ici? Satan. Satan qui descend dans toute sa rage. Et lui, il a en main qui? Une sirène. Un homme. Regardez. Un homme qui a attrapé une sirène, représentant avec, qui a lui-même un œil caché comme ceci. Il faut savoir immédiatement que c'est un sataniste qui est là. Un sataniste qui s'est uni avec qui? Une sirène. Et c'est celle-là même que nous voyons là comme ça, mes frères et sœurs. Ça veut dire que tout ce que nous sommes, nous vous racontons jour et nuit sur les sirènes et toutes ces choses, c'est vraiment vrai. Et ça se trouve où maintenant? Là devant vos yeux. Regardez. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Waouh! C'est hallucinant, mes frères et sœurs. Si vous rencontrez une telle créature, même dans vos rêves, ne l'embrassez pas, ne la touchez pas, ne la prenez pas dans vos bras. Sinon, ce serait un démon qui est capable de vous tuer vous-même, que vous aurez pris dans votre vie. Regardez. Évitez même d'avoir des rêves où, si vous faites des rêves, des songes, où vous voyez que vous couchez chaque jour avec une femme, sachez que c'est elle, hein? C'est elle avec qui vous couchez. C'est une sirène qui fait ça, un démon. Et vous devez prier avant de dormir en disant au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, libère-moi de cette femme, des pièges ou des chaînes de cette femme qui vient chaque nuit me visiter dans mon rêve ou dans mon songe au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu lui-même va se charger d'elle. Et quand elle viendra, parce qu'elle peut venir pour vous tester, pour voir si vous avez confiance à ce que vous-même vous avez dit, il va falloir que vous soyez fort et que vous l'évitiez. Au nom de Jésus-Christ. Invoquez le nom de Jésus-Christ à moi. Et c'est tout. Encore qui? Qui est-ce? Une sirène. Vous voyez que sur la terre, beaucoup de personnes veulent ressembler à cette sirène sans savoir que elle détruit. Elle détruit l'homme. Elle n'aime pas les hommes, puisque c'est un démon. Et elle a le même ordre que Satan, détruit l'humanité. Waouh! Regardez-la encore. La même histoire. On voit un homme ici qui a en main qui? Une sirène. Et la sirène est comme si elle était noyée. Une sirène noyée? Tu as vu ça où? C'est impossible. Impossible. C'est plutôt un piège qu'elle lui a tendu et elle va le consommer après, puisque c'est un démon. Mes frères et sœurs, regardez. Sinon, que va-t-il se passer après? Dites-nous ce que vous avez comme idée. Mais c'est ça à 100%, parce que Satan, c'est un lion, et le lion, il rôde, il cherche des proies à dévorer. Waouh! Malgré que ces gens les aiment les sirènes, regardez. Beaucoup de sirènes. Ça veut dire que ces temps-ci, l'un des démons qui travaille le plus ou qui a le plus de succès dans ce monde, ce sont les sirènes. Les sirènes attirent beaucoup les hommes. Et regardez, c'est grave.
Les sirènes sont ici. Regardez. Elles ont la possibilité de communiquer avec les animaux, avec toutes sortes d'animaux. Elles entendent tout simplement leur langage. Et sachez que l'homme est capable d'entendre toutes les langues, de comprendre toutes les langues de la terre et d'entendre même les animaux parler. Mais c'est une faculté qui a été désactivée. Comment nous avons reçu ça? C'est un témoignage que nous avons reçu hier. Surtout actuellement sur Science Urbaine, vous pouvez regarder toutes les vidéos qui sont là et nous traiterons ce dossier en détail pour vous permettre de voir plus clair. Mais un sataniste a prononcé une incantation et au cours de cette incantation, cette faculté a été ouverte et maintenant il pouvait faire quoi? Il pouvait tout simplement parler aux démons, plutôt parler aux animaux, les entendre. Il entendait des fourmis se s'encourager. Allez, vous pouvez le faire. Allez, comme les hommes. Waouh, c'est incroyable. Comme dans les dessins animés où on nous montre des fourmis qui se motivent, les frères et sœurs. C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est? La coupe de la colère de Dieu qui est donnée à ses anges qui vont les verser après sur la terre. Waouh. Regardez ce qui est bizarre, ici on se trouve maintenant dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Et il a plusieurs yeux sur lui comme ça. Plusieurs yeux. Waouh. Avez-vous déjà vu ça quelque part? Dans Naruto. Dans le film de Naruto, dans le dessin animé de Naruto, il y a des groupes d'ethnies qu'on appelle les Uchiwa, Sasuke, Uchiwa, là d'où ils viennent, ils ont un chef, et leur chef là, comment s'appelle-t-il? Tu connais le chef? Mais leur chef a une main où il y a plusieurs yeux sur sa main, et ces choses sont possibles même dans le monde des ténèbres. En ce moment, ça se passe là-bas. Ces choses sont bien réelles. Le diable copie les ceux du monde de Dieu. Waouh! Ici, voici quelque chose de vraiment bizarre. Pourquoi est-ce qu'on lui cache ses yeux? Là, ce sont les deux yeux qui sont fermés. On a l'impression qu'elle est aveugle. Et cette main-là, qui représente quoi? Vu que cette main est comme si elle était récente. Cette main ressemble à quoi? À un caillou ou à une statue qui vient lui toucher les yeux. C'est comme si on disait que Jésus-Christ qui a mis sa main dans sa bouche pour toucher les yeux de l'aveugle, pour lui ouvrir les yeux. Waouh! Vous devez comprendre que toutes les images sur la terre ont un message caché. Et nous devons comprendre chaque élément avant de le consommer. Tu dois savoir quelle musique tu écoutes, pourquoi ils ont chanté et pourquoi dans telle partie ils ont dit tel mot. Tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas le mot, tu ne sais pas le sens de cette musique, ne chante pas cette musique de façon désordonnée. Que Dieu nous aide dans ce sens. Et nous-mêmes faisons vraiment très attention à tout ce que nous regardons et à tout ce que nous voyons. Cette vidéo n'est pas terminée. J'ai un petit cadeau pour vous. Allons jeter un coup d'œil encore sur une vidéo que nous avons montrée hier. Nous verrons aujourd'hui si vous allez réagir de la même façon en regardant la même vidéo. Ainsi nous saurons si vous avez grandi. Regardons. Merci. Dans cette vidéo, vous allez tout simplement voir que cette fille tient quoi en main? Une poupée. Mais le problème avec cette poupée, c'est qu'elle est. Regardez. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu le mouvement de sa tête? Non, vous n'avez pas vu. Revenons. Regardez. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Betty que se la regalaron a sus 15 años. ¿Has visto? No, no he visto. Regardemos. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Betty que se la regalaron a sus 15 años. No manches, mira. ¿Vos habéis visto? Elle a jeté la poupée. Elle a jeté carrément la poupée. Bueno, aquí les presentamos a... ¡Wow!
Heureusement que ça a été filmé. Sinon, quelqu'un aurait dit que on raconte des histoires sur Young Reborn. Comment ça se fait? Mais regardez vous-même. Là, c'est face à vous. Et personne ne peut dire c'est fou. La Regardez. muñeca de Betty que se la regalaron a sus 15 años. No manches, mira. Voilà. Ce sont des choses graves qui existent dans ce monde. Et nous parlons jour et nuit de toutes ces choses sur Young Reborn. Okay, bon. Regardez-moi tout ça. Le même œil qui se trouvait sur ce vêtement de cette femme se trouve ici. C'est pas de la blague. C'est même pas de la plaisanterie. Regardez vous-même. Toutes ces vidéos que nous avons traitées aujourd'hui, ici, comme vous le voyez, pas de témoignages que nous avons reçus. Et nous avons déjà commencé le traitement des dossiers relatifs à ces témoignages comme nous vous avons promis. Regardez la vidéo qui est là. Regardez aussi toutes ces choses. Ici, un homme va carrément être amené en enfer pour voir des choses. Il va voir plusieurs personnes, des milliardaires, et il va même voir qui? Michael Jackson, là-bas, dans le feu en train de brûler comme tous les autres. Mais pourquoi? Comment est-ce possible? Il va vous le raconter dans cette vidéo que je vous invite également à regarder. Et cette vidéo, si nous avons ajouté Michael Jackson à côté, c'est non seulement parce qu'il parle de ça, mais aussi c'est parce que il y a d'abord cette vidéo qui est là, elle a 11 ans et a vu Michael Jackson dans l'enfer. C'est pas la première vidéo que nous traitons qui raconte ces choses. C'est pour dire que sur la terre ici, il y a des choses graves qui se passent et nous devons vraiment nous réveiller et faire très attention à ce qu'on écoute, à là où on met les pieds, mes frères et sœurs. J'ai choisi. À ce moment-là, des démons, ils ont mis une personne. Et cette personne était âgée et elle était enchaînée. Depuis sa tête jusqu'aux pieds. Sa bouche était collée, il ne pouvait pas parler. Et il me fixait. Avec son regard, il me disait, échappe-toi, va-t'en d'ici, échappe-toi. Et j'ai demandé au Seigneur Jésus, qui est-ce? Vous avez entendu ce qu'elle vient de dire? Ce monsieur du regard, c'est-à-dire ce monsieur ne pouvait même pas parler, il a dit, échappe-toi, va-t'en d'ici. Échappe-toi, va-t'en d'ici. C'est un message à toi qui me regarde. C'est un message pour moi, pour nous tous. C'est une manière de dire, mon ami, viens à Jésus. Mon ami, viens à Jésus. C'est la meilleure façon de s'échapper de cet endroit. Et c'est maintenant que tout se passe sur la terre. Sinon, après la mort, c'est fini. Sinon, après la mort, c'est fini. Comme Young Reborn vient de le dire, sinon, après la mort, mes frères et soeurs, c'est fini. C'est une vidéo que vous pourrez regarder et nous dire ce que vous en pensez. Même en dessous de cette vidéo, pour vous abonner également sur Young Reborn si ce n'est pas fait. Également sur Young Reborn 2. Et waouh! Il y a vraiment des choses graves qui se passent dans ce monde. Si cette vidéo, tu l'as appréciée, n'oublie pas, n'hésite pas à t'abonner en dessous de cette vidéo, à activer la cloche pour ne pas manquer les vidéos que nous allons faire. Demain, mes frères et sœurs, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de nous avoir aidé à trouver les messages cachés dans cette vidéo. C'était la partie 4 de N'aie pas peur de Satan, N'aie pas peur du diable. Et nous ferons une deuxième partie, la prochaine partie, dans la prochaine vidéo, demain à la même heure. Alors, sois là, sois prêt, nous allons faire des choses extraordinaires. Accepte le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant qui te sauvera l'âme aujourd'hui. À bientôt, n'inscris pas, que je vous bénisse.